Bismillahirrahmanirrahim. Donc, bonjour, chers amis, chers résidents. Donc, nous sommes mercredi 14 octobre 2020 et toujours dans la série Midi, dans la formation continue. Nous avons le plaisir d'accueillir un de nos anciens de Cardio A2, le professeur Nadjar Ardouin, qui est maintenant un expert en la matière de micro-circuit, puisqu'il s'agit de sa thèse, de son travail, et qui va parler des applications de la micro-circulation coronaire. C'est Ardouin, marhaba bik, tfadl. Shukran, Oustad. Bonjour tout le monde, mes anciens collègues, les collègues. C'est un plaisir de vous rejoindre dans ce groupe et de participer à ces présentations avec un sujet, certes, comme vous le dites, c'est vrai, depuis presque actuellement 10 ans que je suis là-dessus, le fruit dernièrement de la thèse, effectivement, même si ce n'est pas ça que je vais parler essentiellement durant cette conférence. On a discuté, je vous avais dit que ce n'est pas exactement le genre que ce qu'on faisait durant ces conférences, c'est-à-dire les lectures des recommandations, des trucs hyper pratiques. Là, ça va être un peu lourd en matière de sciences fondamentales un petit peu, de rappels physiologiques, physiopathologiques, voire anapath. Et enfin, à la fin, on va parler, comme vous le dites, des implications cliniques, ce qu'on peut essayer d'appliquer sur la pratique quotidienne, notamment bien sûr en cardiologie interventionnelle, de ce qu'on connaît de ce monde de la microcirculation coronaire. Je vais commencer cette conférence par un cas clinique virtuel. C'est un patient qui a été traité pour coronaropathie, cardiopathie ischémique, par angioplastie avec mise en place de plusieurs stents sur plusieurs étapes. Et malgré tout, il restait symptomatique. Les contrôles angiographiques itératifs, répétitifs, ne montraient pas de lésions significatives, à tel point qu'on s'est dit peut-être une lésion significative fonctionnellement et qu'on n'a pas pu apprécier peut-être sur le plan angiographique. Il se serait bien de faire une FFR sur certaines lésions qui sont suspectes. J'ai dit qu'on pourrait même compléter au-delà de la FFR, en étudiant la microcirculation, peut-être il y aura intérêt à explorer ce patient. Je vous montre d'emblée les résultats de la FFR qu'on a faite sur l'interventriculaire antérieur. Comme vous voyez ici, hein, c'est à droite, en jaune, c'est écrit FFR 0,93. Et donc, on s'est dit, tiens, l'IVA, elle n'est pas serrée. On est allé vers la circonflexe, c'est pareil, sur la marginale, la FFR était à 0,88. Et donc, le patient présentait quand même des réseaux coronaires sans lésions significatives, que ce soit angiographiques, même si elles étaient un petit peu suspectes, et sans lésions significatives sur le plan fonctionnel. Ce patient fait partie, bien sûr, d'un tiers des patients à peu près qui restent symptomatiques malgré un traitement de revascularisation qui est, disons, réussi. Si on prend par exemple l'exemple de l'étude Courage, ce qu'on voit ici, les résultats à 5 ans et même à 10 ans et même récemment à 15 ans, on trouve toujours presque un tiers des patients qui restent symptomatiques après un traitement optimal maximum, si on puisse dire, c'est-à-dire seul, c'est ce qu'a comparé l'étude Courage, ou bien un traitement maximal plus angioplastie. Les mêmes incidents sont retrouvés à peu près en post-chirurgie, c'est-à-dire en post-pontage. Ces patients ont été étudiés différemment à travers le monde. Je n'ai sélectionné que celle-là pour dire que le traitement de la partie épicardique, parfois, ça ne suffit pas.
Quand on réalise, par exemple, un test d'effort, et on voit actuellement pourquoi le test d'effort, l'épreuve d'effort classique, a été même déclassée dans sa, comment dire, sa rentabilité dans la détection de l'ischémie myocardique. Quand on fait de l'épreuve d'effort à 30 jours, 30 jours après une angioplastie réussie, 50% des patients gardaient une épreuve d'effort positive. Certes, on ne le fait pas. Quand j'étais à Mustapha, en les années où on faisait des angioplasties, on contrôlait systématiquement les patients dilatés par une épreuve d'effort à 6 mois. On trouvait quand même à peu près un pourcentage avoisinant qui restait positif. Cela poussait à des contrôles angiographiques itératifs et souvent également, on trouvait le stent qui était perméable. Parce qu'en fait, tout simplement, comme le montre ici le schéma, c'est qu'après 30 jours de l'angioplastie, il y a le seuil ischémique chez des patients qui a été élevé. 50% ont eu le seuil ischémique qui est élevé, ce qui explique la positivité des épreuves d'effort. Il y a presque autre moitié qui ont eu le seuil ischémique qui est inchangé. Tout ça parce qu'en fait, notre vision sur la cardiopathie ischémique focalisée, mettez à l'intérieur, mettez ici, en fait, au milieu de cette étoile, mettez surtout la sténose épicardique. Et actuellement, on a changé la vision sur la cardiopathie ischémique. Il fallait et il faut désormais placer l'ischémie au centre du problème, qui est entouré par les différents facteurs physiopathologiques qui aboutissent à la fin à l'installation de la cardiopathie ischémique. Ça a été proposé vers les années 2005-2010 et à tel point qu'a été reconduit, amélioré, enrichi récemment dans les recommandations qui datent de quelques mois sur le traitement des NOCA, hein, c'est-à-dire ischémie avec des coronaires non obstructives. C'est-à-dire, cette entité est tellement validée actuellement qu'elle a poussé même les sociétés savantes comme la Société européenne de cardiologie à émettre des recommandations spécifiques sur le traitement de l'ischémie avec des coronaires angiographiquement sains, si on peut dire. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas non obstructives. Et donc, on voit bien l'ischémie myocardique qui est au centre du problème. Et donc, la sténose coronarienne qui fait partie parmi les majeurs facteurs provoquant cette ischémie. Mais il ne faut pas oublier d'autres choses. Les plaquettes et la coagulation, l'inflammation qui tourne, la collatéralité, le spasme vasculaire et enfin la dysfonction de la microcirculation. Ceci nous a conduit à changer de paradigme ces dernières années parce qu'on voit que le phénotype de la maladie coronaire évolue. Ce n'est plus seulement traiter l'axe épicardique et le patient est soulagé, on voit de plus en plus les patients qui ne sont pas soulagés. Et on voit bien sûr beaucoup de patients qui sont amenés à bénéficier de coronarographie dans l'exploration, suite à l'exploration en fait d'un angor, et avec une ischémie prouvée, documentée, et qui retrouvent en fait des coronaires sains. Ceci aboutit également à des contrôles angiographiques itératifs, qui ne sont pas nécessaires, et souvent également des réhospitalisations. Et même le pronostic, il n'est pas forcément bon chez ces patients, et reste quand même mauvais avec altération de la qualité de vie et même augmentation de la mortalité. Ceci nous ramène bien sûr à parler de la physiologie, de l'anatomie des artères coronaires, et c'est là qu'on voit qu'on a omis durant quand même 2, 3 décades, une bonne partie du réseau coronaire. Si on regarde ici, en commençant par la gauche, à gauche,
On voit les artères coronaires épicardiques. La première limite, ça, c'est les artères coronaires épicardiques. On les appelle les artères de conductance. En fait, ces artères ne présentent quasiment ou ne présentent pas de résistance à l'écoulement sanguin, en dehors de l'athérosclérose, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on les appelle les artères de conductance. Elles ne font que conduire le sang. Du coup, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de phénomène de réadaptation, de régulation à ce niveau. Juste après, on a ce qu'on appelle les artérioles précapillaires. Les artérioles précapillaires, c'est-à-dire entre 100 et 500 microns de diamètre à peu près. Et là, c'est le lieu où est sujet à différents facteurs de régulation, notamment les facteurs neuro-hormonaux, avec libération de la noradrénaline, l'adrénaline, l'acétylcholine, ou bien de certaines substances vasoactives qui sont libérées par l'endothélium, notamment le monoxyde d'azote. L'endothéline, qui est un puissant facteur vasoconstricteur, l'angiotensine 2 également. Juste après, on aura ce qu'on appelle les artérioles précapillaires distales. C'est vraiment avant les capillaires, avant la microcirculation proprement dite. Et là, c'est le siège, en fait, de la régulation myogénique et notamment métabolique à travers l'adénosine et le monoxyde d'azote. Si on voit cette schématisation simpliste, essayez de la garder en mémoire et juste après, je passe en fait comment on a classifié l'athérosclérose ces dernières années. Donc, je commence par la gauche, c'est les artères épicardiques, c'est le siège de l'athérosclérose. Cette athérosclérose, elle peut être stable, hein, aboutissant à la réduction de la lumière des artères coronaires pour donner de l'ischémie chronique, ou bien avec des plaques qui sont vulnérables et avec la rupture de ces plaques, elle va donner des syndromes coronaires. Juste après, les gros troncs, on peut avoir, là on a dit que ces sujets, hein, la deuxième partie, c'est le siège en fait de la vaso activité à travers ces substances qui sont vasoactives, on peut avoir ce qu'on appelle des angores vasospastiques. Donc, ça peut être transitoire, comme le prince métal, ou ça peut être persistant, qui peuvent aboutir à des véritables infarctus du myocarde. Mais enfin, on a oublié, on a omis, en fait, cette partie, hein, les présartérioles et la microcirculation. Hein, sur le siège des capillaires. Et actuellement, il est bien évident, il est bien acquis que cette partie participe à l'atteinte coronarienne chez les patients qui sont atteints de l'athérosclérose, mais parfois, elle peut être également isolée, atteinte isolée de la fonction ou de la structure. Et parfois les deux. Donc, atteinte de la fonction et ou de la structure de cette microcirculation qui peut aboutir à l'installation de la coronaropathie ou surtout de l'ischémie myocardique, d'où ce qu'on appelle les INOCA, c'est-à-dire ischémie myocardique sans lésion obstructive des artères coronaires. Et pourtant, si cette partie, c'est ce qu'on voit en angiographie en fait, ne représente que 5%, alors que vraiment cette partie ne représente quasi 95% de l'arbre coronaire. Et donc, ce n'est pas du tout légitime, logique, de l'ignorer, de l'omettre de phénomène de coronaropathie. Ceci a été reproduit dans ces dernières recommandations, comme je l'ai dit, dans la prise en charge des INOCA. Hein, on voit seulement que c'était inversé. Le versant épicardique qui est à droite avec l'athérosclérose, que ce soit la pathologie chronique ou aiguë, et elle participe à l'angine vasospastique, bien sûr, mais on a cette partie également de la microcirculation qui peut bien sûr donner de l'ischémie myocardique. Les facteurs prédisposants sont bien identifiés, comme ils sont dessinés ici, hein, c'est la cigarette, le tabagisme, l'hypertension artérielle, le sexe féminin, le diabète, le surpoids, l'obésité,
ainsi que la sédentarité, qui peuvent altérer cette microcirculation même en l'absence d'atteinte des troncs épicardiques et provoquer d'une réelle ischémie myocardique. Si vraiment donc l'ischémie qu'on connaît, la cardiopathie ischémique coronarienne qu'on connaît vraiment habituellement, classiquement, est l'apanage de l'homme, ça, c'est l'apanage de la femme, bien sûr. Et donc, c'est primordial de garder en tête cette schématisation, hein, cette schématisation des deux parties, puisque je vais parler à tout à l'heure de l'exploration de la microcirculation afin de différencier ces deux compartiments, le compartiment épicardique, hein, qui est là, et le compartiment en bleu, et le compartiment de la microcirculation. Comme je l'ai dit, le compartiment épicardique, c'est ce qu'on voit en angiographie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a omis durant des années ce compartiment de la microcirculation. C'est comme la boîte noire, comme on dit, hein. Si je ne vois pas, je n'y crois pas. Et en plus, il faut reconnaître que l'exploration est difficile, elle coûte de l'argent, du temps. Et la prise en charge est tellement difficile actuellement qu'on n'y pense pas trop sur ce compartiment de la microcirculation. Si on veut explorer cette microcirculation, on a les méthodes non-invasives et on a des méthodes invasives. Les méthodes non-invasives ne sont pas spécifiques de l'exploration de la microcirculation. Commençons par le Doppler. Le Doppler, hein, c'est vraiment quasiment les échographistes, ceux qui ont fait déjà et ceux qui font, ça prend énormément du temps. C'est moins coûteux, certes. Il n'y a pas de radiation. Elle peut être reproductible et a été même prouvé que ça prédit les événements cardiovasculaires. C'est en étudiant la réserve coronaire avec le Doppler de l'artère interventriculaire antérieure. C'est que le problème, c'est que ça nécessite un entraînement intense. Et puis, surtout, elle est faisable que sur l'IVA. C'est ça les limites de cette technique. Et d'autant plus qu'elle n'est pas spécifique, puisqu'elle étudie la réserve coronaire en général. Or que la réserve coronaire, si on voit ici en bas, c'est la CFR. Elle comporte le compartiment épicardique et le compartiment de la microcirculation. Ça, c'est pour le Doppler. Le scanner, actuellement, on réussit à analyser la microcirculation, mais ça reste très poussé. Des techniques et des logiciels qui sont quand même très poussés, hein, des artères coronaires, elles favorisent, en fait, il permet le scanner d'analyser la microcirculation et en même temps les artères coronaires, c'est-à-dire le compartiment épicardique, mais bien sûr au prix d'une irradiation, avec des résultats qui sont vraiment récemment validés, mais qui ne sont pas reproductibles avec les mêmes manières les techniques invasives qu'on verra. L'IRM, c'est techniquement très difficile et très long déjà pour l'IRM cardiaque seulement, hein. L'IRM cardiaque, ça prend plus de 30, 35 minutes, 40 minutes. Et si on ajoute les techniques pour étudier, ça prend encore plus de temps. Elle possède une meilleure résolution spatiale, certes, avec absence d'irradiation et de possibilité de voir la cinétique et la fonction globale du cœur, puisque l'IRM actuellement, elle est le gold standard. La scintigraphie n'est ni sensible ni spécifique pour le diagnostic d'anomalie de la microcirculation. Bien sûr, la tomographie par émission de positron, hein, PET, c'est l'examen de référence actuellement, non invasif bien sûr, mais ça reste un examen très coûteux et qui n'est pas disponible. En revanche, ce sont les examens invasifs qui sont spécifiques et reproductibles réellement de la réserve coronaire et de la microcirculation. La mesure invasive de la réserve coronaire, elle est réalisée à l'aide d'un guide. Je vais expliquer la technique après. Hein. C'est un capteur ou bien de pression ou bien de thermodilution et ça va permettre d'étudier la réserve coronaire ainsi que le réseau, c'est-à-dire la vasomotricité, hein, de cette microcirculation après l'injection de l'adénosine ou bien de l'acétylcholine. Cette réserve coronaire, on a un seuil qui est validé actuellement, hein, c'est 2,3. Si elle est au-dessus de ce seuil, c'est qu'elle est basse.
Et donc, la microcirculation, elle est atteinte ou bien d'une manière fonctionnelle ou structurelle en l'absence de sténose épicardique, bien sûr. Au-delà de la réserve coronaire, actuellement, on peut mesurer un index, hein, ou l'indice de résistance de la microcirculation, c'est l'IMR. Il est défini par en fait le quotient de la pression distale, je vais l'expliquer tout à l'heure, par l'inverse de ce temps de la thermodilution, en fait le temps maximal dont on est périmie. Et on a un seuil en fait qui est défini actuellement en longueur stable, qui est de 25 unités. En infarctus, il est de 40. Je vais en parler tout à l'heure dans les implications cliniques. L'IFR, puisqu'actuellement on parle beaucoup d'IFR qui remplace l'AFFR, attention, l'IFR c'est quasiment comme la FFR, puisqu'elle explore le réseau épicardique. Alors, c'est quoi cette technique de thermodilution qui va me permettre de mesurer la réserve coronaire et cet index de microcirculation? En fait, c'est le même guide qu'on utilise de la FFR. C'est exactement le même guide. C'est exactement la même procédure. Et seulement dans la console, il y a un module logiciel de plus qu'il faudra installer qui va permettre de réaliser cette thermodilution. Donc, à travers ce guide d'AFFR, on peut utiliser soit la mesure par la pression, mais elle est moins corrélée qu'à la réelle CFR, réserve coronaire hémodynamique, que la méthode de thermodilution. Donc, la méthode de thermodilution est mieux corrélée. Alors, c'est quoi la méthode de thermodilution? C'est qu'on va injecter de la solution saline dans la température ambiante à travers le guiding et le guide de la FFR va mesurer en fait le temps que ça va prendre le transfert de cette solution saline à travers de le début jusqu'à la distalité des artères coronaires. Et ce temps, il va être mesuré en fait par le changement de la température. Comme on voit ici en bleu, le bleu, c'est vraiment, c'est le guide, le corps du guide quand il reçoit en fait la solution saline. Et en le rouge, c'est vraiment le capteur, hein, capteur de la température qui est vraiment en distalité. Et c'est pour ça d'ailleurs même la FFR, on dit qu'il faut placer le capteur dans les deux tiers. Après, en fait, le tiers, dernier tiers, tiers terminal de l'artère coronaire. Et comme on voit ici, donc le premier capteur, en fait, sur le shaft, quand on déchaffe le corps de ce guide, c'est lui qui reçoit le premier, le changement de température, ça va baisser. Et puis le second, c'est-à-dire en distalité, le capteur qui va baisser la température et le retour à la normale. Ceci va définir le temps de transit, le temps moyen de transit de cette solution saline jusqu'à la distalité. Et ceci va me permettre de calculer deux paramètres qui sont importants. Premièrement, la CFR, c'est-à-dire la réserve coronaire totale, mais pas seulement ça, plus de la FFR qui est donnée systématiquement, c'est-à-dire le représentant de compartiment épicardique. Mais j'aurai également ce qu'on appelle l'IMR. Alors, c'est quoi l'IMR? Voici ce que j'aurai comme image. Donc, j'aurai la FFR qui est ici en jaune, en bas. C'est 0,87 par exemple pour ce patient. J'aurai la pression distale, c'est 55. Et j'aurai le temps moyen de transit ici en bas quand j'injecte trois fois une solution saline, 3 cc, hein, de sérum salé. Ça, c'est à la base. Et surtout après hyperémie, c'est-à-dire quand je fais à la base, je provoque l'hyperémie par l'injection de l'adénosine ou intracoronaire ou intraveineuse. Et après, je procède également à la même procédure, c'est-à-dire j'injecte encore de la solution saline et j'aurai le temps de transit en hyperémie. La multiplication, le produit en fait de cette pression distale sur ce temps de moyen. Temps moyen de transit en hyperémie, c'est ce qu'on voit ici en haut, IMR, donc c'est 0,16 multiplié par 57, et j'aurai un indice, c'est ça l'IMR en fait, il est de 9. J'ai dit que tout à l'heure, c'est le seuil, c'est 25, et donc il est largement en dessous de 25. Donc la CFR, j'aurai ici la CFR, regardez, en blanc,
La réserve coronaire est à 5,2. J'ai dit tout à l'heure, c'était 2,3 le seuil. Donc, c'est en dessus. La réserve coronaire est correcte. L'IMR est correct. Donc, le patient ne présente pas de lésion de la microcirculation en sus d'absence de lésion épicardique qui est ici la FFR à 0,87. L'intérêt de cette technique et surtout de cet indice IMR qui est technique validée chez l'homme, elle évalue d'une manière indépendante de la microcirculation, c'est-à-dire notamment indépendante des conditions de charge. Elle est reproductible technique et elle est indépendante des perturbations hémodynamiques et surtout également indépendante des sténoses épicardiques. C'est-à-dire même si j'ai une sténose épicardique, l'IMR reste indépendant. Il y a certains auteurs qui proposent de multiplier cet indice d'IMR par un coefficient, mais qui ne change pas beaucoup, vraiment qui ne change pas beaucoup. Et donc, l'indépendance des sténoses épicardiques de cet indice est bien prouvée actuellement. Donc, si je récapitule l'exploration de la microcirculation sur ce fabuleux tableau que j'estime beaucoup, et on a les différentes techniques à gauche ici, que ce soit non-invasive, que ce soit invasive, les avantages et les inconvénients. Et on trouve que seulement les techniques qui utilisent, qui sont invasives malheureusement, oui, qui utilisent le guide de pression ou bien de thermodilution, qui permettent quand même une étude de la microcirculation d'une manière distincte. Hein, vous voyez ici, no, no, no pour toutes les autres techniques ici, yes. Et avec étude de la fonction endothéliale à la fin, et surtout une exploration qui est complète. Seulement, bien sûr, c'est coûteux. On a des guides qu'on achète et qui sont chers et c'est invasif. Mais ça reste les techniques de référence actuellement qui est utilisée. Voici donc un résumé sur les méthodes de l'exploration de cette microcirculation. Quelle est l'expression clinique de cette microcirculation, de l'atteinte de la microcirculation? Il y a des classifications qui ont été proposées depuis 2005-2007, comme on voit ici, par exemple, on a quatre classes par les Italiens surtout qui ont travaillé là-dessus. Elle a été reproduite quasiment en 2012-2015. Seulement, on a ajouté un type 5 qui est la transplantation cardiaque, mais on a enlevé après. On l'a gardée quasiment la même. Celle-là, je l'ai reproduite sur la classification qui a été proposée selon les dernières recommandations des INOCA. Faut faire la différence entre les MINOCA, ce n'est pas les infarctus à coronaire saine, hein, j'ai dit les INOCA, c'est-à-dire l'ischémie. Hein, et c'est ça la classification qui a été retenue. Et on va les voir, puisque à ce moment-là, où il y a les implications cliniques de cette microcirculation qu'on va étayer quelque peu après. Le type 1, c'est en absence de n'importe quelle maladie, et notamment les atteintes épicardiques, c'est-à-dire les patients avec des facteurs de risque, mais qui ont une atteinte de la microcirculation. Le type 2, c'est que atteinte de la microcirculation avec une atteinte cardiaque sous-jacente, par exemple CMH, etc., on verra. Le type 3, c'est-à-dire la microcirculation associée à l'athérosclérose des atteintes épicardiques. Et le type 4, c'est surtout celle des iatrogènes. Et c'est ça qui nous intéresse, qu'on verra tout à l'heure. Voyons type par type rapidement et quelles sont les implications cliniques qui y sont liées. Le type 1, par exemple, on a dit c'est l'absence de lésions coronaires épicardiques associées. Cette forme, elle est présente surtout chez les patients qui ont des facteurs de risque. La forme la plus connue, c'est le diabétique. On dit des cardiomyopathies des diabétiques, cardiomyopathies des diabétiques, etc. C'est une atteinte de la microcirculation. On sait bien actuellement qu'une atteinte de la microcirculation, c'est-à-dire qui est anormale, à la fois elle peut se voir chez des patients qui sont résistants à l'insuline et chez des diabétiques francs, malgré la présence d'un réseau coronaire qui est sain. Et rien que la présence d'une anomalie, par exemple de l'IMR, comme je l'ai dit, hein, microcirculation, ou bien l'inverse, la présence d'une microcirculation intacte chez un diabétique est un facteur de très bon pronostic à long terme chez le diabétique. Et actuellement, il est bien évident que l'état glycémique au moment
de l'infarctus du myocarde est un facteur déterminant, par exemple, dans la survenue des lésions de reperfusion. Des lésions de reperfusion, par exemple, le Noriflo. Hein, on a même assisté à des thèses qui ont été faites, qui étaient excellentes sur ce sujet-là. Il y a des travaux qui ont été faits et qu'on voit ici sur l'étude de l'IMR. Hein, on voit le statut des diabétiques et des non-diabétiques. Hein, la différence, la comparaison clinique et physiologique chez les diabétiques et non-diabétiques sur un échantillon qui n'était pas significative, regardez ici, sur plusieurs paramètres, seulement l'IMR qui était élevé, plus élevé chez les diabétiques par rapport aux non-diabétiques, d'une manière significative. Ça, on le sait. Et donc, rien que l'impact d'un diabétique sur les procédures de revascularisation, on verra après également, est très important par cette atteinte de la microcirculation qui est présente avant l'angioplastie ou avant la revascularisation. Le type 2, c'est la présence d'une maladie sous-jacente. Ce qui est très étudié, c'est la CMH, c'est-à-dire l'hypertrophie myocardique qui va provoquer la dysfonction de la microcirculation et qui va aboutir bien sûr à la fibrose, la rigidification et la raréfaction capillaire. Ceci va provoquer une augmentation de la consommation myocardique, hein, et qui dit augmentation de la consommation, ça va dire une inadéquation ou bien perturbation de la balance entre besoin et apport en oxygène, qui est la définition même de l'ischémie. Ce qui était très reconnu, ce type, c'est dans les rétrécissements aortiques, qui donnent les HVG en fait, l'insuffisance cardiaque à fraction préservée, et surtout la CMH qui a été bien étudiée, la CMH. Et ça, c'est dû notamment, l'explication, c'est la réduction de la densité artériolaire, ainsi que le diamètre des artérioles. On voit ici que le groupe qui présente une HVG, c'est-à-dire une CMH, avec le groupe contrôle, la seule et seule différence en matière d'études anapath, bien sûr, on voit que c'est la densité artériolaire ainsi que la lumière, le diamètre, hein, la lumière des artérioles qui sont diminuées d'une manière significative par rapport à l'hypertrophie. Et quand on voit ici, par exemple, à chaque fois qu'il y a diminution de cette densité artériolaire, hein, en parallèle en bas, il y a augmentation des résistances vasculaires. Et à l'inverse également, quand on voit à chaque fois qu'il y a diminution de la lumière, du diamètre de cette microcirculation, il y a diminution de la réserve coronaire, ce qui explique donc la tête de cette microcirculation chez ces patients. On sait qu'actuellement que ça n'atteint pas seulement les segments où il y a l'HVG. Hein, la CMH, c'est par définition, c'est une hypertrophie qui est asymétrique. Et donc, ça atteint les régions où il y a l'hypertrophie et même les autres régions qui sont saines, entre guillemets. Et le degré de cette dysfonction actuellement est défini comme un facteur supplémentaire de mortalité dans la CMH, et notamment quand il est étudié par le rayonnement tardif et le T-mapping en IRM, il est intégré dans le calcul du risque de mort subite chez les CMH. Le type 3, c'est qu'on a dit qu'il est en association avec une maladie artérielle. Ceci va aboutir à l'instauration de cette variabilité des symptômes, c'est-à-dire on a une maladie coronarienne, par exemple épicardique, et même si on lève l'obstacle épicardique, il y a persistance de langueur, par exemple, ceci va aboutir à l'installation d'autres maladies en dehors des maladies épicardiques. C'est ça la définition en fait de langueur microvasculaire, si on puisse dire, c'est-à-dire de manière chronique, quand on voit ici. On a de l'angine, mais avec des artères coronaires qui sont saines. À gauche, c'est l'angor stable qui va s'installer, ou bien on peut avoir des expressions de l'atteinte de la microcirculation d'une manière aiguë. Le tableau le plus répandu, le plus connu, ça reste bien sûr le tableau de Takotsubo, hein, le cœur brisé. Actuellement, on sait bien que c'est l'inflammation
et l'atteinte de la microcirculation qui est responsable de ce tableau. On va parler de, surtout de langueur microvasculaire, puisque c'est l'apanage quotidien des gens qui travaillent en cardiologie interventionnelle. C'est des patients qui arrivent avec des tests d'ischémie qui sont symptomatiques, chez qui on fait la coronarographie et qu'on retrouve un réseau angiographiquement sain. Ces patients ne présentent pas quand même un pronostic aussi bon qu'on le croyait. Jespersen, ce Danois, a étudié, par exemple, durant presque une décennie, depuis 2000 jusqu'à 2009, les patients pour voir combien de patients avaient une coronarographie saine malgré les symptômes et les tests d'ischémie qui sont positifs. Regardez chez les femmes, ce qui est représenté ici en rouge, en bas, hein, de 2000, qui était à peu près la moitié des patientes qui avaient une angiographie saine, jusqu'à trois quarts quand même, 73% en 2009, qui avaient des patients qui n'avaient pas en tout cas de sténose significative, hein, qui n'avaient pas de sténose significative. Et c'est l'apanage des femmes, je l'ai dit tout à l'heure, puisque regardez les hommes, c'est beaucoup moins que ça. Hein, on a par exemple 19% en 2000 jusqu'à 40% en 2009 qui avaient une angiographie sans sténose significative. Ceci dit, ce n'est pas un pronostic aussi bon pour ces patients, puisque parfois, les couleurs, je vous dis clairement, c'est-à-dire les normales artéries, c'est ici le marron, il est quasiment presque. Il rejoint les atteintes mono, hein, tronculaires des patients qui sont traités par revascularisation, que ce soit interventionnelle ou chirurgicale, donc à long terme. Ceci dit, si on va chez ces patients et on mesure les différents paramètres que j'ai cités tout à l'heure, et notamment la CFR, on trouverait surtout chez les femmes sans obstruction épicardique, quand on voit ici, on trouve qu'elles ont une CFR qui est basse et 15 ans, voilà, en rouge, CFR qui est inférieur à 2,3 et avec un pronostic qui est mauvais par rapport aux femmes qui ont un CFR qui est correct. Ça, c'est les femmes qui n'ont pas de coronaropathie obstructive, même si en comparant par rapport au total des femmes qui ont un angor mais angiographiquement entièrement saine, c'est-à-dire les artères, elles sont saines, c'est exactement le même constat. Une CFR qui est basse, inférieure à 2,3, un pronostic mauvais par rapport à une CFR qui est correcte. Ceci dit, pour définir un angor microvasculaire, ça doit répondre à ces critères qui ont été proposés depuis 2005 à peu près, mais qui sont reproduits à chaque fois et qui ont été entérinés par les dernières recommandations de 2020 de l'ESC. Il faut avoir des symptômes, hein, de l'ischémie, c'est-à-dire un angor d'effort. Il faut avoir une preuve qu'il n'y a pas d'obstruction épicardique, c'est-à-dire moins de 50%, ou bien une FFR qui est supérieure à 0,80, et une preuve de l'ischémie avec présence d'un défait réversible, notamment sur les examens d'imagerie, sur les tests d'imagerie, et enfin une preuve sur l'atteinte de la microcirculation, soit une réserve coronaire qui est inférieure à 2, qui a été retenue ici, voire 2,3, ou bien provoquer un vasospasme par l'acétylcholine, ou bien IMR qui est supérieur à 25. Voilà l'entité de l'angor microvasculaire qu'on peut rencontrer souvent dans la pratique courante de la cardiologie interventionnelle en explorant les patients qui sont symptomatiques, qui ont une preuve d'ischémie et qui n'ont pas d'obstruction coronaire. L'expression donc de ce type 3 n'est pas seulement l'angor stable, comme je l'ai dit, il peut être également des non-stimies ainsi que stimies. L'exemple le flagrant, comme je l'ai dit, c'était le tachotube. Arrivons au type 4, c'est-à-dire l'atteinte de la microcirculation qui est iatrogène. Elle est provoquée notamment par l'intervention intracoronaire. La majeure partie, bien sûr, ça reste l'angioplastie et c'est idem pour les pontages. Les conséquences, c'est l'embolisation distale des débris ou des thrombies et qui provoque de la vasoconstriction des microvaisseaux des distalités.
Et là, on peut vraiment citer plusieurs exemples où on peut provoquer l'atteinte de la microcirculation en faisant notre geste quotidien habituel de l'angio plastique coronaire. Voyons par exemple la prédilatation au ballon. Ça a été étudié, Thomas Cuisset à Marseille, ça a été étudié en comparant bien sûr l'angioplastie conventionnelle, comme on dit, c'est-à-dire dilater au ballon la lésion puis mettre un stent, versus stenting direct. Et là, vraiment, le résultat, ce n'est pas significatif sur tous les autres paramètres, c'est-à-dire le diamètre de l'artère, ce qu'il a reçu comme stent, ce qu'il a reçu comme thérapeutique, etc. Sauf sur un seul paramètre, c'est la prédilatation. Les patients qui ont été prédilatés présentent un IMR, l'indice de microcirculation, beaucoup plus élevé que par rapport aux patients qui n'ont pas été prédilatés. Donc la prédilatation provoque une beaucoup plus d'embolisation distale de ces débris et altère la microcirculation d'un. Par exemple, ce patient qui a bénéficié d'un direct stenting, c'est-à-dire mise en place d'un stent sans prédilatation, si on multiplie cette pression distale qu'on a vue tout à l'heure sur le temps moyen de transit en hyperémie, j'aurai un IMR de 9. À l'inverse, un patient qui a été prédilaté, hein, cette pression en distalité multipliée par le temps en hyperémie, ça me donne un IMR qui est très élevé à 54. Hein, le seuil, c'est 25, comme je l'ai dit. Et donc, il y a une atteinte de la microcirculation qui est provoquée après la prédilatation. Et c'est pareil, on voit ici direct stenting à gauche, hein, IMR qui est bas, mais conventionnel stenting, ça augmente. Mais surtout que la réserve coronaire également baisse avec l'augmentation de l'IMR et notamment avec les prédilatations itératives. Quand on voit ici l'IMR, quand ça augmente avec les prédilatations, et à chaque fois ça augmente, la CFR est basse, la réserve coronaire est basse. Il y a pas mal de travaux également qui ont montré également le nombre d'inflations joue un rôle prédictif de cette atteinte de la microcirculation. Le stenting direct est faisable. Il provoque une atteinte de l'hyperplasie néo-antimale qui est moindre que par rapport à la prédilatation et qui est même prouvé actuellement qu'il est faisable et qu'il est sûr sur les lésions qui sont quand même accessibles à un stenting direct. Je n'en mets pas, j'en fais de l'angioplastie. Il ne faut pas parler de situation où il faut prédilater ou postdilater. Je ne parle pas des bifurcations, des troncs, etc., etc. Et même cela, on peut en disserter, on peut discuter sur, par exemple, les bifurcations, les techniques qui sont difficiles, le décalcrage et autres, où il y a plusieurs fois les kissings, etc., par rapport aux techniques qui sont moins invasives que celles-là. Ça, c'est pour la prédilatation. C'est au moment de l'angioplastie de longueur stable, mais également, elle est bien décrite actuellement sur l'infarctus du myocarde. La revascularisation par angioplastie primaire au moment de l'infarctus du myocarde. Alors, sur le STEMI, il y a des patients, on passe le guide, on thromboaspire ou pas en embolisant distalité, et surtout si on met un ballon, surtout si on met un ballon, prédilaté au ballon, c'est là où ça provoque en fait l'embolisation distale et l'atteinte de la microcirculation. Regardez le patient à gauche. C'est un patient qui a été pris en charge pour un STEMI et qui a été prédilaté, hein, au ballon. Et ce patient présente un IMR qui est très élevé à 68. Et la preuve d'ailleurs, l'électrocardiogramme, même la qualité n'est pas très bonne, on voit qu'il y a entre guillemets une persistance du susdécalage du segment ST, un échec électrique si vous voulez, même si l'artère est ouverte. C'est là. Quand on dit qu'il faut différencier les termes de recanalisation de termes de reperfusion. Le patient est recanalisé mais n'est pas reperfusé en fait. Et surtout qu'à 30 jours, il a une FE qui avoisine les 44.
hein, avec dysfonction VG. À l'inverse, le patient B, pris en charge de l'infarctus du myocarde à la phase aiguë, exactement comme le patient A, traité par angioplastie, mais cette fois-ci sans prédilatation, c'est-à-dire à thromboaspiration, mise en place d'un stent directement. Et là, l'IMR, elle est à 13, elle est largement inférieure à 40. Le seuil ici, quand il s'agit d'un STIMI, c'est le seuil à 40. Il est largement en deçà de 40. Et du coup, c'est un patient qui est reperfusé. La preuve, c'est à 30 jours, il a une FE à 65%. Et l'électrocardiogramme en post-angioplastie primaire est objective, une disparition complète du sus décalage. C'est une implication clinique, ça, c'est-à-dire éviter le maximum de prédilatation, de post-dilatation au moment de traitement de la phase aiguë de l'infarctus du myocarde, afin d'éviter les problèmes de non-reflow, les problèmes de non-reperfusion, c'est-à-dire on ne se satisfait pas seulement de la recanalisation, il faut pousser vers une reperfusion qui est meilleure. Depuis l'original texte de Fearon qui a émis cette hypothèse d'utiliser l'IMR comme indice, ça, les articles fleurissent dans ce sens et qui poussent à dire que le moindre geste sur l'artère coupable serait meilleur qu'une différence, par exemple, de plusieurs, multiplier les gestes de prédilatation et de postdilatation. Combien on est passé souvent ça? En mettant en place le stent sur l'artère coupable, on post-dilate après et puis hop, c'est le no-reflow, on le sait. Les caractéristiques des patients, les facteurs prédictifs de cela, ils sont très variables, ça a été étudié. Parce qu'en fait, quand on voit sur ce excellent travail qui a été publié sur le Heart Journal en 2015, exactement pour ces patients avec l'infarctus du myocarde, qu'est-ce qui augmente l'IMR après? On a trouvé également, même l'IMR pré- Stenting était élevé. C'est-à-dire les patients avec atteinte de la microcirculation, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le type 1, qui surajoute chez ces patients avec le type 3. Et là, si j'augmente encore, moi, en iatrogène, c'est-à-dire le type 4, ça sera la totale. Donc, des patients qui ont un IMR élevé avant la mise en place d'un stent gardent un IMR encore élevé après la revascularisation. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est une atteinte de la microcirculation avant même la revascularisation, avant même la reperfusion. Qu'est-ce qui provoquerait ça? Il y a plusieurs facteurs qui sont prédictifs de cela et qui sont hétérogènes. C'est pour ça qu'on peut déterminer des types de répondeurs des patients à la reperfusion. Regardez, on a des très bons répondeurs, c'est-à-dire ceux qui ont IMR élevé avant la revascularisation, mais qui l'améliorent entièrement, c'est-à-dire inférieur à 40, après la revascularisation. Il y a des répondeurs partiels, c'est-à-dire qui ont un IMR élevé avant le stenting, mais qui est amélioré, mais sans descendre au-delà du seuil de 40. Et puis, il y a des mauvais répondeurs, franchement, qui n'améliorent pas l'IMR, voire qui élèvent leur IMR après le stenting. Bien sûr, il y a plusieurs facteurs, ce n'est pas homogène, mais ce que implique cliniquement l'interventionniste, c'est ça, c'est d'éviter, notamment chez les patients qui sont à risque, les diabétiques et autres, d'éviter les itératives prédilatation ou postdilatation. On a discuté ces dernières années sur l'attitude Mimi, pourquoi pas, c'est-à-dire ouvrir l'artère, laisser nettoyer 5 à 7 jours, recontrôle et angioplastie dans de meilleures conditions. Ça, c'est pour la prédilatation au moment de l'angor stable et de l'infarctus. Autre facteur également qui peuvent intervenir d'une manière clinique, c'est-à-dire sur l'atteinte de la microcirculation au moment de l'angioplastie, c'est l'état de la glycémie. L'état de la glycémie au moment de l'angioplastie. Ça a été comparé dans un travail qui compare bien sûr pourquoi on a des IMR élevés après angioplastie par rapport à certains patients, par rapport à d'autres. Et regardez,
la glycémie de base, à chaque fois qu'elle est élevée, elle augmente l'IMR d'une manière significative. Pas seulement la glycémie de base, même l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, à chaque fois l'hémoglobine glyquée est élevée, l'IMR post-PCI, l'IMR post-angioplastie, est très élevé. Avec l'avènement actuellement des résultats de l'étude Ischemia qui remet en cause même l'angioplastie chez les angoureux. Et donc, on peut discuter actuellement. Un patient qui arrive, qui a l'indication, soi-disant, d'indication d'exploration de coronarien suite à un angor stable avec preuve de l'ischémie, mais cependant, si le bilan est perturbé, le diabète, on peut différer de quelques jours quand même jusqu'à stabilisation de son diabète et réaliser cette coronaropathie et angioplastie dans de meilleures conditions avec préservation de sa microcirculation. Autre facteur qui est très important également, qui provoque d'une manière iatrogène l'atteinte de la microcirculation, c'est la longueur de stent. À chaque fois qu'on met des stents qui sont longs, ça provoque de l'angor et de la nécrose, de l'infarctus périprocédural chez ce patient. Souvent, les années 90-2000, on parlait de ce qu'on appelle un angor de stent, hein, ou la douleur du stent, c'est-à-dire après un stentig réussi, artère qui est perméable angiographiquement, pas de modification électrique, c'est vraiment juste après, hein, on a un patient qui reste angoro. Et donc, la douleur du stent, on dit la douleur du stent, c'est vraiment un abus de langage, comme on dit, hein, c'est vraiment un abus de langage. Et donc, au contraire, on voit ici, par exemple, de son travail, que la longueur de stent à chaque fois est élevée, à chaque fois elle provoque de l'angor, et à chaque fois elle élève les troponines, c'est-à-dire elle provoque de réels infarctus périprocédural avec élévation de l'IMR d'une manière significative. C'est ça. Et il y a même des auteurs qui ont proposé des seuils, comme dans ce travail également. On voit que 23 mm, 33 mm, il n'y a pas de souci, mais au-delà de 33 mm, il y a augmentation d'une manière très significative des troponines ainsi que de l'IMR. Et c'est pour ça qu'actuellement, on sait qu'à chaque fois, surtout ces dernières années, l'avènement de ces stents qui sont beaucoup plus flexibles, atteignant des lésions distales longues, avec de substances. Des substances antimitotiques et surtout de courtes doubles anti-agression plaquettaire, on est souvent encouragé pour placer ces stents qui sont lents, un stent lent ou deux stents courts. Il y a une grande différence sur le prix, puisque c'est le même prix des stents, mais si je mets un stent de 38, c'est mieux que de mettre deux stents de 15 et 24 ou quelque chose comme ça. Du coup, malheureusement, c'est aux dépens de l'atteinte de la microcirculation, puisque cette grande désorganisation de la plaque se fait par sous forme de matelassage quand on comprime par le stent lent. Et quand on met un stent lent, on bloque, on obstrue les artères latérales, hein, des latérales. Un stent lent, ça nécessite plusieurs post-dilatations également, comme on a vu. Et tout ça, ça favorise en fait l'atteinte de la microcirculation de la valve. Voici à peu près, c'est pour ça qu'on propose souvent de spot stenting, juste la lésion courte, si possible. Cependant, il faut couvrir toute la plaque afin d'éviter, bien sûr, les resténoses. Voici les principales implications cliniques qu'on peut, l'interventionniste, faire au quotidien afin d'éviter cette atteinte. Le traitement, la prise en charge générale, c'est mieux résumé sur cette plaque du management des Inoka qui est proposée récemment. Et le mode de vie des patients, c'est-à-dire intervenir en matière de la prévention primaire, est primordial, à savoir le mode alimentaire, l'exercice, il faut favoriser l'exercice, la diminution de poids, l'arrêt du tabac, ainsi que le stress. La maîtrise parfaite des objectifs des facteurs de risque, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète et la dyslipidémie également, pour arriver enfin aux traitements anti-angineux qui sont proposés, que ce soit dans l'angor microvasculaire,
selon ces différentes substances, différentes médicaments qui ont donné des preuves, ou bien suspicion de l'angine vasospastique, donc préférer par exemple les inhibiteurs calciques par rapport aux autres. Ça, c'est en général. Si on prend l'angle microvasculaire, on propose également un algorithme, à savoir la maîtrise des facteurs de risque. Si ça ne suffit pas, le traitement habituel de l'athérosclérose. Si ça ne suffit pas, bien sûr, les autres médicaments de deuxième ligne en matière d'angor, arriver jusqu'à d'autres thérapeutiques comme les tricyclines et parfois même des thérapeutiques d'ablation neurologique. Et les dernières recommandations, et comme je l'ai dit, même nous proposent la prise en charge spécifique des types, les quatre types qu'on a cités de la microcirculation, type 1, 2, 3, 4, hein, selon les spécificité de la maladie qui se trouve en dessous, le diagnostic et surtout les médicaments qui ont prouvé dans ce sens. Voilà, j'ai terminé. Je reviens sur notre patient que je vous ai présenté en début. Je vous ai dit qu'il avait une FFR qui est négative, pardon, sur l'IVA, mais c'était la même image, hein. Actuellement, on a vu c'est quoi l'IMR, on a vu c'est quoi la CFR. Verrons donc qu'est-ce que ça donne. Ben, il a 90 de pression distale, multiplié par ce temps de transit, on a un indice de l'IMR qui est de 49,5 quand même sur l'IVA. Donc il a un indice qui est largement supérieur à 25. Donc il a une atteinte de la microcirculation. Exactement la même chose que j'ai faite sur la circonflexe avec cette FFR à 0,88. Mais quand on calcule l'IMR, il est à 69. Donc c'est un patient qui est présent. Des artères coronaires sans sténose significative fonctionnellement, mais avec une atteinte de la microcirculation attestée par cet indice IMR qui est élevé et cette CFR, la réserve coronaire qui est basse. Regardez, qui est à raison de 1,4. Voilà, j'ai terminé. Donc, pour dire en conclusion, on a passé plus de 200 ans pour dire que l'athérosclérose est. Et c'est ça, et surtout l'atteinte épicardique de l'athérosclérose qui provoque de l'angor. Et puis, il y a 100 ans, on a reconnu que l'obstruction aiguë de l'artère épicardique qui est responsable de l'infarctus, actuellement, c'est évident, ça devient évident ces dernières années que l'atteinte de cette microcirculation, ou du moins faire participer cette partie de la microcirculation dans la prise en charge intégrale, intégrale et globale plutôt, voilà, globale du patient coronarien. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. À vous les questions, s'il y a des questions. Merci, cher Douane, pour cette très intéressante conférence, très didactique. On a appris beaucoup de choses. Donc, on attend vos questions, s'il y a des questions. Surtout, je vais commencer. Oh, cher Douane, Pardon, je n'ai pas entendu. tu m'entends? Oui, ça va. Peut-être que, en fait, le challenge dans l'étude de la microcirculation, c'est d'arriver à l'étude de la microcirculation de façon non invasive. Hein? Donc, c'est ça, faire la différence rapidement entre angor microvasculaire et angor, j'allais dire, tu as appelé spastique, c'est ça. Oui. On sait que dans la première question, est-ce que l'atteinte de la microcirculation, on peut l'étudier ailleurs? On dit que oui. C'est-à-dire, j'allais dire, dans les autres territoires. Parce qu'il y a un écho, comme un écho, je ne sais pas ce que c'est. Entrecoupé, je n'entends pas bien, oui, c'est entrecoupé. Tu entends? Tu entends là? Tu m'entends? Oui, c'est mieux. La question, rappelez-moi. Donc, Le challenge, c'est ça le challenge. challenge parce que c'est difficile et ça coûte cher. La méthode a dit coûte cher. Elle est opérateur dépendante. Elle dépend de l'opérateur et aussi elle est invasive. Donc, si on pouvait trouver une technique, on sait qu'il y a pas mal de techniques non invasives.
pour étudier l'articulation ailleurs. Hein? Yani que ce soit pour l'étude de la température, de la couleur, au niveau périphérique, il y a pas mal de techniques. Hein? Même la capillaroscopie, pour faire très simple. Mais je ne sais pas où, parce que bon, tu as parlé de l'IVA, l'étude de l'IVA, Doppler, l'IVA distal par éco-Doppler. Je ne sais pas, est-ce que ça donne un peu de des travaux Non. Alors, je reviens vers ce tableau qui est récapitulatif et qui donne vraiment une idée sur les différentes ces techniques qu'on a dites. Hein. Malheureusement, c'est ça le challenge, comme vous le dites exactement, c'est qu'on n'a pas de technique actuellement non-invasive qui étudie d'une manière distincte la microcirculation. Regardons en haut ce qu'on voit ici, PET, SPECT, l'IRM. Et les autres, regardez, micro-distillation de distinction, il n'y a rien. Ce n'est pas d'une manière distincte, puisqu'il y a toujours la composante épicardique qui rentre dedans également. Ce n'est pas une, comment dirais-je, il y a certaines techniques qui manquent de validité, et surtout également, ça ne donne pas une étude de la micro-circulation proprement dite comme l'indice l'IMR, mais ça n'étudie que la CFR, la réserve coronaire. Et comme je l'ai dit, la réserve coronaire, il y a la partie épicardique qui est associée également. Alors l'étude, comme vous le dites, parce que c'est la plus accessible de l'étude de l'EVA, c'est-à-dire à travers le Doppler et certaines, en hyperimie également, on peut avoir une idée sur la CFR, la réserve coronaire. Et la réserve coronaire, c'est toujours également avec composante épicardique, puisqu'on étudie à partir de Doppler de l'IVA. Et donc, ça a été même étudié et proposé à un certain moment, quand il n'y avait pas le scanner, par exemple, en disant est-ce que c'est un patient coronarien ou pas, au lieu d'aller, avec sa valeur prédictive négative, au lieu d'aller éliminer vers une coronarographie qui est invasive, éliminer des atteintes épicardiques, je peux faire le Doppler de l'IVA, par exemple. Afin de voir la réserve coronaire, si elle est préservée ou pas. Cependant, comme je l'ai dit, ça prend énormément d'entraînement. Il faut être vraiment entraînement. La différence entre les opérateurs, comme vous le dites, et surtout, malheureusement, ça n'étudie que l'EVA. Et si l'atteinte de l'EVA n'y est pas, on peut passer à côté d'autres atteintes, par exemple. Ok, merci. Ferial, qui veut poser une question, Brahmi, vas-y, Brahmi, ta question. Tu veux que je la lise? Brahmi, il faut rapidement être attentif, pose ta question. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Alors, ma question est la suivante. Au cours des symptômes coronariens aigus, chez des patients avec IMR élevé, par exemple les diabétiques ou bien des patients qui ont déjà une IMR documentée, est-ce que la thrombolyse ne ferait pas mieux que l'angioplastie? Ben, excellente question, excellente question. Moi, je dis à mon équipe, hein, personnellement, j'ai dit à mon équipe d'angioplasticien, si je fais un infarctus, thrombolysez-moi. Ne faites pas une angioplastie primaire. Souvent, on me dit que vous aurez beaucoup d'ennemis en angioplasticien. Non, ce n'est pas ça, mais voilà. Alors, les diabétiques, c'est une vraiment population à part. Cependant, ce que vous dites, c'est possible pour l'étude de la microcirculation. Mais la revascularisation par angioplastie primaire fait, on le sait bien par toutes les études hein, qui ont été faites, qui ont comparé l'angioplastie primaire par versus thrombolyse, disent clairement que c'est bien sûr c'est l'angioplastie primaire qui prime, hormis les golden hours, hein, les premières heures où ça fait peut-être un jeu égal. Cependant, ce que vous proposez est un dilemme. C'est exactement juste théoriquement. Ça reste juste à prouver sur la clinique, l'évidence based. Est-ce qu'on aura ça ou on aura ça? C'est-à-dire, ça pousse à dire qu'il faudra calculer l'IMR avant thrombolyse ou avoir une preuve de la microcirculation avant thrombolyse. Les diabétiques, oui, mais ce n'est pas tous les diabétiques qui présentent cette atteinte de la microcirculation. C'est excellent ce que vous dites, c'est une excellente question. Pourquoi pas? Cependant, les critères durs,
quand on dit comme ça, c'est-à-dire la microcirculation qui provoque des réhospitalisations, qui provoque de l'angor persistant. Cependant, les critères durs, ça reste la revascularisation. On n'en joue pas avec ça. La revascularisation, la reperfusion durant la phase aiguë est beaucoup meilleure sur les critères durs que sur l'atteinte de la microcirculation. Ça, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. L'IMR reste quand même un objectif intermédiaire par rapport à la Voilà, maladie. c'est ce que voilà, autrement dit, c'est ça, oui. Un objectif intermédiaire. Il n'est pas question Il n'est que l'embolisme ou la supérieure à l'angioplastie. Voilà. Donc, il y a Saïd. Saïd, posez rapidement vos questions, s'il vous plaît. Il y a Saïd. Saïd ou Adallah. Saïd. Bonsoir, merci pour votre présentation, Monsieur Nidal. Ma question, c'est devant une situation aiguë, devant une phase aiguë, on peut dire que la thromboaspiration fait mieux que la ventilation. On aura le choix entre les deux. Bien sûr, par rapport au résultat sur l'indice de résistance. Ma deuxième question, c'est par rapport aux anti-GP2D 3D. Est-ce qu'ils ont des effets par rapport à l'amélioration de l'IMR? Merci. La première, s'il vous plaît, la première, vous avez dit entre thromboaspiration et... La prédilatation d'un ballon. Ah oui. Merci. La question est dans votre... La réponse plutôt est dans votre question, comme vous le dites, la première. Hein. C'est clair, oui, la thromboaspiration est souhaitable par rapport à la prédilatation. Cependant, attention aux lésions qui gardent des empreintes et qu'on met un stent et qui va garder l'empreinte, qui est facteur de non-déploiement du stent. De mauvais déploiement du stent, pardon, mauvais déploiement du stent, et qui est un facteur très favorisant de thrombose et de resténose de stent. Cependant, si on a le choix, comme vous le dites, oui, la thromboaspiration a préféré par rapport à la prédilatation, et pourquoi pas l'attitude mimique qu'on fait souvent avec sûreté, je qualifie et je valide avec sûreté qu'on fait à notre niveau, à notre centre, c'est-à-dire l'aspiration, la réouverture, le flux 3. Et puis recontrôler le patient après 5 à 7 jours et dilater dans de meilleures conditions. Les anti-GP2B3A n'ont pas étudié en matière de la microcirculation avec IMR ou pas. Cependant, ils améliorent le flux, ils améliorent la charge thrombotique. Et quand on sait, bien sûr, après stentique, c'est la charge thrombotique qui est la presse purée à travers les mailles du stent qui est embolisé en distalité, qui provoque l'atteinte de la microcirculation. Donc indirectement, oui, c'est-à-dire diminution de la masse de la charge thrombotique et préservation de la microcirculation par rapport à l'embolisation distale. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Intervenez, nos plasticiens là. Il y a Saïda. Salam. Saïda, Ben Daoud. Si vous voulez intervenir, encore quelques minutes. N'y a pas de questions? Ma cache. C'est bon, vous avez tout compris. Donc, je pense que, bon, n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions. On remercie notre ami Char, hein, pour son exposé. Et Char, je te donne le mot. Hein. Merci à vous, cher Oustad Chokran Lik. Merci de nous avoir donné cette opportunité. Merci d'avoir créé cet espace déjà avec Saha, toute l'équipe également. C'est très enrichissant. J'ai participé, j'assiste souvent quand je peux à ces trucs. Sur le thème d'aujourd'hui, c'est très difficile, comme je l'ai dit au début. C'est beaucoup plus de la physiologie, physiopathe, l'anapathe que des recommandations directes, pratiques. Ceci dit, quelques implications cliniques que j'ai citées, que je pratique moi au quotidien, la pratique quotidienne, ça serait intéressant de les apprivoiser, de les, plutôt de les, pardon, de les
de les approprier, voilà, de les approprier sur la pratique quotidienne. Voilà, je vous remercie pour votre. Aya, Lila À la prochaine. Saïda, Je reprends le stade. Je reprends tout le monde. Aya.